cette terre vaut du bling. Du bling pour le king. Plus cher qu'un vase bling. Bling, 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 bling. Ouah, bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue. Bienvenue sur Blingdom avec Pépé le Ramolo. On l'a récupéré encore une fois tandis que le cadavre d'Elisa Bling nous mène vers un nouveau campement que nous ne connaissons pas encore alors que nous sommes armés et équipés d'une force d'assaut absolument folle ainsi que de chevaliers. Tandis que des clodos nous attendent déjà. Ah bah bravo l'immigration. Excellent, des nouvelles terres, une nouvelle île, de quoi améliorer encore une fois le paradis capitaliste de Donald Bling pour plus de plaisir. Oh, c'est dommage, hein, parce que si j'avais joué une gonzesse, je l'aurais appelé Blingary Clinton ou Hillary Blington, tu vois. J'avais aussi le Dalai La Bling. Si on joue un chinois, si tu veux. Mais il s'est avéré que pour l'instant, notre situation est à la fois safe et propre. Il y a un coffre qu'on n'ouvre pas, pas pour l'instant. Oh, un coffre de Chaos Emerald qu'on n'ouvre pas, pas pour l'instant. J'ai juste pas les ressources. Avec une ferme notamment, et ça c'est intéressant. Voilà. Et avec un portail démoniaque. Et derrière ce portail démoniaque du Bling et des Chaos Emeralds. Est-ce que je récupère les Chaos Emeralds maintenant? Ça me paraît intelligent. Trois Chaos Emeralds et ça rentre. Tandis que nous avons les moyens... Oh, quatre Chaos Emeralds pour invoquer ce spécialiste dont nous ignorons tout. Et un camp derrière une barrière de monstres. Ce qui n'est pas très chanceux de notre base. Deux barrières de monstres. Et c'est la fin après. Trois barrières de monstres. Et ben la gauche... La gauche va nous lancer des attaques assez violentes. Si tu veux, ça va être des attaques... Ah, c'est des attaques antifa hein, de gauche. Hein. On va tout bouffer. On va tout bouffer. On va tout bouffer. Là, ça va être difficile de pacifier les gauchistes, braves gens. Putain. On va prendre... Eh merde. Ah, c'est bon, il s'excite pas. En cas de situations extrêmes, nous pouvons les repousser. Le temps que nos travailleurs, ardus à la tâche, terminent leur dure besogne. Par exemple, ce connard là. Arrière ! Arrière ! Ils sont satisfaits. Fort heureusement. Tandis que Pépé le Ramolo nous a quittés dans une prise de risque absolument folle. Pépé le Ramolo, il vit le risque, tu veux. Pourquoi il descend? Pourquoi il descend, ce connard? C'est quand même dingue. Mais... Pépé! Pépé le Ramolo veut marcher. Surtout qu'il commence à coûter cher en plus l'enculé. Bon. Pépé le Ramolo veut marcher. Très bien. Dans ce cas, si je peux te drop à ma base, s'il te plaît. Merci. J'ai quand même pris des risques parce que je n'ai pas de muraille, hein, je remarque. Et c'est vrai qu'il y a une prise de risque certaine de ma part. Et là tu descends pas. Pourquoi tu descends pas, Pépé le Ramolo? Là, tu veux bien partir? Pépé! Bon. P-
Pépé le Ramolo qui n'est pas intéressé par le concept de respect, si vous voulez. Ça le dépasse. Il n'a pas été convaincu. Oh. Et ça, à votre avis, c'est les builders? 3 Chaos Emeralds? Ah, mais il y a un autre bâtiment avec un autre Ramolo dedans. Et je me demande si ce serait pas rentable. Deux Chaos Emeralds pour une épée plantée dans le sol. C'est Excalibur ou pas? Bon. On verra combien de Chaos Emeralds me donne le deuxième coffre. 3. Enfin, là, ça coûte 3, c'est ce que j'ai. Donc on verra si on en a 2 ou 4 selon le coffre. Et on avisera. On avisera. Parce que si on peut récupérer Excalibling, c'est sexy quand même. Il faut le dire. Il faut le penser. Construisons. Tous ces gens cherchent un métier. Très bien. Bienvenue à la chambre des métiers, messieurs. Bâtissez. Pour l'instant, nos défenses tiennent. Voilà. Comme nos défenses tiennent, tout va bien. Par contre, j'ai plus le moindre centime. Mais ça, c'est l'inquiétude. Ah, j'aime bien fait de le laisser. Hein. C'était lucide de ma part. La nuit va bientôt tomber, cependant. Ce serait peut-être intéressant. Que Pépé le Ramolo descende. Voilà, un campement, une base, quelque chose. En tout cas, nos forces armées pour l'instant et nos chevaliers sont amplement suffisants pour tenir en respect toute la bâtardise des saloperies qui en veulent à notre bling. Pour l'instant, on est safe, donc. Le problème, c'est que les forces armées d'élite, elles, ne vont pas chasser. Donc, il nous faut des clodo chasseurs, si vous voulez. Ah, merde. Non, Pépé. Là. Mais descends ! Pépé le Ramolo qui descend plus, ça y est. Ça y est, ça m'énerve. Pépé, il m'énerve, là. Pépé me met dans l'excès. Pépé me rend fou. Putain. Voilà, 3 archers en plus. C'est pas grand chose, mais c'est toujours un peu mieux que rien du tout. Bah tu sais quoi? C'est quoi? Va te faire foutre. Voilà. Très bien. Pépé le Ramolo. Hashtag Pépé m'a cassé les couilles. Bon, allons récupérer Excalibur. Et là en plus il y a une ferme, putain. Inestimable. Un cheval de guerre. Et il a l'air de coûter de 7 × 2, $14. Eh bien, en tout cas, ce cheval ne se considère pas comme de la merde. Il me reste du bling un peu, très bien. Il me reste assez de bling pour survivre à... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un caribou devant un truc de Chaos Emerald.
3 Chaos Emeralds, ça me fait 4 Chaos Emeralds dans le coup, en tout, c'est excellent. Très bien. Un autre portail. Apparemment, ça a l'air de bien se passer. Ce portail a pas l'air de s'activer. Le danger n'est pas immédiatement présent. En tout cas, il va falloir que je teste le cheval, chers amis, parce que ce cheval de guerre... Alors, on mange. On passe pour un bling. Deux bling, j'ai perdu un. Très bien. En tout cas, là, deux murs. Devant ça, c'est pas mal. Avec une ferme et des terres arables. Ah. Il s'en fout. Il s'en bat les couilles. Ah. Ils sont agressifs. Oh la vache. Annie, les nuits sont cul. Voilà, on lui a buté sa face. Très bien. Eh ben putain. Compliqué, compliqué. Au moins, ils ont un peu de bling. Là, il y a un peu de bling. Très bien, ça partage. Ok, très bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a survécu à ça. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on commence à être légèrement, et je dis bien légèrement, acculé, braves gens. Et ça, ça me plaît pas, si vous voulez. Voilà. Chaos Emerald supplémentaire, ça c'est intéressant. Ces arbres qui n'ont pas été pétés parce qu'ils sont trop proches d'un portail, le fait que ce soit proche d'un portail est intéressant aussi. Notamment ce point là avec une tourelle et deux murs de défense, je trouve. Un mur de défense là, ce qui permettrait de garder les terres arables. On va fortifier à gauche, fortement. Ah merde. J'ai plus que des Chaos Emerald. C'est compliqué. Voilà. Ok, une ferme. Il faut absolument que je l'améliore. Sinon, ce sera jamais rentable et neuf. Avec ça, les mecs peuvent chasser, très bien, ils peuvent avancer. On peut gagner de l'espace pour respirer et vivre, c'est ça, ça c'est intéressant. Bon.
apparemment, la possibilité de s'étendre à droite m'a l'air compromise pour l'instant. J'aurais jamais dû faire ça maintenant. Même si ce mec a l'air de rentrer alors qu'il était en sécurité, ce qui me surprend. Ou alors c'est un gars qui a perdu son emploi il y a très longtemps. Ah oui, faire ça permettrait de l'activer. Allons-y. Bon, il faudra malheureusement payer l'argent que pour l'instant je n'ai pas. Compliqué là par contre, compliqué. C'est compliqué. Ça va être une difficulté légère alors qu'il y avait juste ces salopes derrière moi, je les ai pas vus, tout va bien. Je regardais le chat. Une erreur fatale. Alors que des murs nuls séparent ma base et ma fortune. Mais bon. C'est passé. C'est passé. J'ai envie de dire ouf. Que l'argent et les lapins viennent à manquer, il va falloir appliquer la stratégie brave gens de ramener des caribous, hein. Parce que là il y a une ferme, mais c'est tout. Voilà, c'est bien, voilà, bête, ouais, c'est bien ça. Ça nous mène juste à cet arbre. Et à ce portail éteint. C'est bien. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au portail et l'agresser? J'espère que non. Oh là là, magnifique! Oh, ils ont fait le taf, ces archers, putain! Ils sont en train de me rentabiliser mon affaire. En termes de défense, on est bien pour l'instant. C'est juste en termes de finance que c'est compliqué, brave gens. Mur supplémentaire. Deuxième mur supplémentaire. C'est pas grand chose, hein. Un builder en plus. Bon. Des archers en plus. C'est jamais perdu les archers. Jamais perdu. Malheureusement, ces archers ne sont pas très efficaces. Parce que voyez-vous, ils sont obligés de chasser dans la forêt qui est à côté. Et cette forêt n'a aucun lapin. Parce que cette forêt est trop loin de tout le reste. Pour faire court, cette forêt pue du slip à cause de ce village nul. Du coup, la situation est dangereuse. Et je pense que j'ai dépassé les 20 minutes de l'épisode. Tout ceci m'a l'air risqué. Je n'ai pas de fermier, je sais. Il faut que j'améliore ce bâtiment d'abord. C'est compliqué. C'est compliqué. Un clodo, malheureusement je n'ai même pas la moindre piécette à lui donner. D'ailleurs je me balade sans piécette, hein. Là c'est la nuit ou pas? Il y a la musique, il y a encore la musique gentille. Donc ça se trouve ça passe, hein. Le problème c'est que ça commence à avoir une gueule assez sale le décor là. Et ça me plaît guère. En plus les défenses ici sont assez nulles. Donc je pense qu'on va faire un dernier baroud d'honneur ici. Et faire confiance à la gauche. Allez, on y croit. On y croit. On y croit. On y croit, 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 on y croit. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit. C'est pas de l'argent, vous, d'ailleurs? C'est un peu des thunes, super. De quoi défendre.
mon sac nu fou! Eh ben putain! Bon. Bon. Bon, bon, il faut absolument que j'améliore la tente qui me sert de maison. Parce que sinon, et j'ai un peu trop de builders, j'ai l'impression, j'ai beaucoup trop de builders, je sais pas ce que j'ai fait avec mes builders. En plus, ils sont pas de fric. J'ai pas de fermier, mais l'installation est déjà faite. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi les murailles sont-elles tombées? Bon. Au moins, un petit peu de financement. Ah, voilà, c'est bon. Un peu de financement va me permettre de mettre à jour toute cette merde, si tu veux, en me maniant le boule. Note à soi-même, les chevaliers et les archers du départ que tu as ne suffisent pas à faire une économie. Il te faut des archers. Sinon, tu te retrouves vite dans la merde. Et merde. Vous avez pas chassé un petit lapin? Personne? Un peu. Pas beaucoup. Un clodo? Un clodo. Un clodo qui devient fermier. Le début d'une économie. Bon. Complexe. Complexe, complexe, complexe. Parce que là, pour l'instant, sans ferme stable, sans moyen d'accéder aisément à une source de revenus, je suis obligé d'aller à gauche pour la source de revenus, en fait. Sans les moyens d'accéder à une source de revenus stable, ce royaume est en train de dépérir à vitesse grand R, grand roi. Et pourtant, cette ferme est parfaite, regarde ça. Lâchez-moi des thunes. C'est bon, ça lâche. Et on peut même pas rameuter des caribous à cause de ce portail de ces morts. J'imagine que tant qu'une expédition punitive n'aura pas été lancée, nous serons dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit de mieux. On pourrait améliorer le mur de l'enceinte de droite. Au pire, Bob, enlève le village de Clodo de droite. C'est ma seule source de recrutement. Il va falloir passer cette nuit et réussir l'exploit de circonvenir à ce village de Clodo. Afin de débloquer une rentabilité possible, en fait. Mange un rat, mange un rat. Les forces armées trop nombreuses pour que je puisse les corrompre. Malheureusement, une petite enveloppe ne fera pas l'affaire. Aïe, j'avais oublié ce mur de droite aussi. Bon, face à mes puissantes ailes de griffon, ça tiendra! Et au pire, il reste mes vaillants chevaliers! Boum, déjà, dans ta face. Voilà, ça a tenu. Je peux pas me permettre de prendre plus de risques. Obligé de bâtir. Là, il y a une ferme. Douce, douce ferme. Ouais, et je vais laisser plein de place à la ferme pour qu'elle puisse farmer. Un mur ici. Et là, ce portail. Portail qu'on ne pourra pas... qu'on ne pourra pas gérer mieux que ça. Combien j'ai? Est-ce que j'ai de quoi corrompre ce cheval? Non, je n'ai que 4 misérables pièces. Même pas 25% de la somme nécessaire. 20%.
Mais au moins... Au moins, on va avoir de quoi commencer à avoir des fermiers. J'hésite à bâtir ce deuxième mur, mais ça couperait un peu l'espace de la ferme, j'ai peur. Il faut que la ferme soit rentable. Ah ! Dommage. Je me fais confiance, je bâtis cette ferme en avance. Afin de déjà faire l'investissement initial, mes chasseurs se déplacent enfin et vont enfin devenir une source de revenus. Je donne une pièce à un clodo, que je prévois de devenir fermier dans un temps proche. Dès que j'aurai réuni, bien sûr, les fonds nécessaires, je peux avoir deux fermiers, c'est pas mal. Deux fermiers, c'est pas mal. Avec ça, l'argent commence à revenir, si tu veux. Après, il faut que je sécurise la gauche, parce que la droite est sécurisée avec un mur en bois renforcé. Mais il faudrait que je renforce avec un mur en pierre, sinon ça va être la bite. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon. Mieux que rien. C'est la définition de ce stream. Oh, on peut lancer une expédition punitive. Mais c'est risqué, c'est risqué. C'est risqué. Terriblement risqué, brave Jean. Même si j'ai des fonds et de l'argent, que je devrais vraiment utiliser pour financer des fermiers, hein, brave Jean. Voilà. On va être obligé de financer la construction d'un nouveau mur. Obligé, hein. Aïe. Et nos soldats se barrent car le mur n'est pas prêt. Nous sommes donc la seule ligne de défense. Tandis que notre griffon se nourrit. Arrière! 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 Reculez, saleté! À mort! À l'attaque, mes fiers guerriers, qu'est-ce que vous branlez? Impeccable! Fou! Eh ben, petite frayeur! Petite frayeur, chers amis, sur cette fin d'épisode, et on se termine en tout cas sur la nuit vie, ou le début de la journée du moins, tandis que la gauche a été sécurisée pour l'instant, et que nous allons recruter des fermiers pour la prochaine fois, afin de continuer la défense de notre offensive. Pour l'instant, tout se passe bien. Plus qu'à voir jusqu'où ça va durer. Oh là 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 là. Le bling et le drama. Merci infiniment et à la prochaine, brave Jean. La prochaine fois, peut-être qu'on aura les moyens de se payer enfin le cheval de guerre. J'aimerais bien avoir le cheval de guerre. Mais pour ça, il nous faut des sous. Des sous. C'est ça qui est bon. Allez, zou. Oh.